Du coup, je viens de finir ma petite douche. J'ai lavé les cheveux rapidement. Je les ai lavés il y a 3 jours. J'avais pas vraiment besoin de les laver, mais j'avais envie de me sentir bien propre. Parce qu'ici, on se sent jamais propre. Je peux vous dire, il fait tout le temps 40 degrés de ressenti à chaque fois que tu sors de la douche. T'es déjà en train de dégouliner. C'est impossible d'être au top et joli. Ici, je fais vraiment le minimum. J'ai tout le temps les cheveux attachés. Au niveau du visage, là, ça fait plus d'une semaine que je me suis pas maquillée. Et en général, je fais que les sourcils. J'ai rien besoin de plus et ça sert à rien de faire plus. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, je suis super foncée. J'ai méga bronzé. Ce qui fait que tout mon make-up n'est plus adapté à mon teint et à cette nouvelle carnation. Du coup, fond de teint, anti-cerne, etc. C'est beaucoup trop clair. Du coup, ça sert à rien de se maquiller. Là, je suis dans mon spot favori, juste à côté de ma chambre. Je m'installe toujours dans les escaliers. J'aime trop me poser comme ça, mettre l'ordi là, regarder des vidéos YouTube et vous filmer cette vidéo ici. J'ai toute la vue sur le domaine. La météo est géniale parce qu'il a beaucoup plu ce matin. Vous savez, ces pluies diluviennes tropicales, il pleut méga fort pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, ça s'arrête net et il fait beau à nouveau. Du coup, ce qui fait que là, t'as du vent, t'as un petit peu de fraîcheur et c'est super agréable. Là, on est déjà en fin de journée. Je vous filme cette vidéo assez tard. Il est 4 heures environ. Et le soleil, il est déjà de l'autre côté. Donc, c'est génial aussi pour vous filmer au niveau de la lumière. Alors du coup, je me suis lavé les cheveux avec des produits que j'ai achetés ici au supermarché. Ce sont des produits de la marque Vini Lady et spécialement pour lisser les cheveux. Ce sont des produits à base de kératine végétale et de beurre de karité. Ils sont parfaits pour discipliner les cheveux, pour les lisser, et ils sont anti-frise. Comme vous savez, moi j'ai tout le temps les cheveux lisses, je garde jamais mes cheveux naturels, bouclés, etc. C'est pas ma vibe. Et ces produits justement, ils m'aident beaucoup à garder ces cheveux malléables, lisse si je les sèche, etc. En général, je sèche pas les cheveux, ça sert à rien. Encore une fois, dès que je les lave, je fais mon chignon, je laisse sécher et basta. C'est tout ce que je fais, je me prends pas la tête parce que ça sert à rien. Le taux d'humidité ici est insupportable, je vous dis pas. Du coup, là, je vais prendre un petit peu du démêlant comme ceci dans la main et je vais appliquer sur les longueurs et ça va m'aider à faire mon chignon pour bien hydrater les cheveux et m'aider à les coiffer plus facilement. Comme d'habitude, hein, vous savez que ça, c'est vraiment ma coiffure signature, mon chignon marais du milieu. Je vous ai fait une vidéo complète sur ce tuto de mon chignon signature. Je vous la mettrai en description, comme ça vous pouvez aller la checker si vous l'avez loupée. Ça fait 3 semaines que je suis ici, en République dominicaine, chez moi. Et là, je commence à voir certains de vos commentaires disant où est-ce que je suis passée, ça fait longtemps que j'ai pas publié, etc. Bah, les gus, c'est un petit peu normal parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venue ici, bien avant le Covid. Et du coup, je profite à fond d'être ici en famille, de voir tout le monde et de profiter, de me déconnecter tout simplement, en tout cas sur YouTube, parce que je suis super active sur Instagram. Tous les jours, je poste plein de stories et je profite pour vraiment vous montrer mon pays, la vraie République dominicaine, hein. Mes conseils, mon ressenti personnel, etc., vu que je suis dominicaine. Du coup, moi, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, comme ça, vous ne loupez aucune de mes stories. Et si vous me suivez maintenant ou après avoir regardé cette vidéo, sachez que toutes mes stories ici en République dominicaine, j'ai fait des bulles highlight que vous retrouvez sur mon profil. Vous allez pouvoir voir toutes mes stories que j'ai faites depuis que je suis ici. Comme ça, vous allez pouvoir tout rattraper et être à jour. Ça, c'est la meilleure coiffure contre l'humidité et contre cette chaleur. Ça permet de rester propre et fraîche, hein, parce que moi ici, j'ai découvert des endroits que je ne savais même pas que c'était possible de transpirer. Je transpire de la moustache, du front, des oreilles. Je dégouline ici, les gus. Donc comme je vous ai dit, ça sert à rien de se prendre la tête à faire plus, se maquiller, faire des coiffures, des brushings, etc. Ça va jamais tenir. Du coup, au niveau de ma skincare routine aussi, hein, ici franchement je fais que le minimum. Encore une fois, ça sert à rien. Dès que tu sors de la douche, tu dégoulines. Et actuellement ma peau, elle est pas du tout au top. J'ai les lèvres tout le temps gercées aussi. D'ailleurs, je vais
boire un peu d'eau, rester hydratée. Vous savez très bien que j'ai tout le temps une peau nickel, mais ici, ces dernières semaines que je suis là, j'ai rien fait. J'ai fait que le minimum. Nettoyer le visage, crème solaire, et c'est tout. J'ai rien mis de mes sérums. J'ai pris tous mes produits, comme vous le savez, mes produits, c'est ma base. Et je ne les ai pas utilisés parce qu'encore une fois, je trouve que ça ne sert à rien de mettre toutes ces tonnes de produits pour dégouliner après coup. Ça ne sert à rien. Et le soir, je pourrais faire ça le soir, mais pareil, le soir aussi, il fait chaud. Franchement, je fais que le minimum. Nettoyer le visage, crème hydratante, crème solaire la journée. Et c'est tout. Du coup, bah, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là, j'ai fait mon chignon et j'ai pris deux parfums avec moi. Mon My Way de Giorgio Armani et mon Monoi, qui sont mes deux parfums d'été favoris. Là, comme je vous l'ai dit, on est en fin de journée. Du coup, c'est pas un problème de se parfumer. Les rayons UV sont pas trop excessifs actuellement. Du coup, là, ma peau, elle est déshydratée, comme je vous ai dit. Et du coup, ça commence à se voir gentiment. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, j'ai super bronzé, donc ma dépigmentation se voit. Et ça, ça m'énerve, mais je peux rien faire. Par contre, j'ai bien géré l'hyperpigmentation. Comme vous pouvez le voir, je suis super bronzée. J'ai 4 teintes plus foncées qu'à mon habitude. Et j'ai aucun problème d'hyperpigmentation. Pourquoi ? Parce que j'ai été super rigoureuse avec l'application de ma crème solaire SPF 50 pour le corps et surtout pour le visage. Et je ne me suis pas tellement non plus exposée aux heures dangereuses d'ensoleillement. Du coup, là, ce petit baume à lèvres vient de la marque Aquaphor. Je l'aime bien parce qu'il répare et protège les lèvres très sèches. J'ai tout le temps les lèvres très sèches et il est SPF 30. Donc, moi qui suis là actuellement dans un pays tropical avec un énorme ensoleillement, c'est parfait pour protéger mes lèvres. Par contre, je déteste le goût de ce baume à lèvres. Ce qui fait que je ne vais pas le racheter une fois que je l'aurai terminé. Je l'aime vraiment parce qu'il a cette protection SPF 30. Mais une fois que je l'applique après, que je le mange un petit peu, etc., je déteste le goût. C'est super désagréable. Donc, je ne sais pas si je peux vous le recommander parce que c'est vraiment personnel. Du coup, que j'apprécie pas le goût du baume. Mais en tout cas, je pense quand même que c'est un bon produit. Les produits Aquaphor, en général, je vous les recommande. Sinon, l'alternative, c'est l'Aquaphor, le tube que j'ai aussi. Et celui-là, je le mets le soir sur les lèvres. Ça va bien hydrater mes lèvres aux profondeurs. Et le baume à lèvres, comme ça, c'est vraiment d'appoint. Espera, te estoy filmando un video. C'est mon oncle à qui je viens de parler. Et du coup, le baume comme ça, c'est vraiment pour l'avoir de poche, comme ça, à tout moment de la journée. Ensuite, j'ai ces petites ampoules qui sont des ampoules de sérum hydratation intense. Là, j'en ai clairement besoin. Ça, ce sont des petits sérums comme ça, des ampoules que j'ai pris dans mon magasin skincare favori, Müller, dont je vous ai parlé. C'est un magasin que vous retrouvez en Suisse. La dernière fois, je vous en ai parlé et quelqu'un m'a corrigé en disant que c'était allemand. Et c'est vrai, c'est une chaîne de produits skincare, make-up, parfumerie allemand, et on retrouve beaucoup cette chaîne en Suisse. Du coup, ce sont des petites ampoules comme ça, toutes simples. Je rigole parce qu'il y a juste ma cousine en face de moi qui me regarde, ça me gêne. Et que tu appliques directement comme ça sur le visage, ça va hydrater en profondeur le visage. Mais là, loin ça. Non, rien. Et j'applique directement sur tout le visage. Ça va booster l'hydratation de ma peau. Comme je vous ai dit, j'en ai super besoin en ce moment. J'avais envie de me faire un masque, là, un de mes masques Garnier. J'en ai pris plein, des masques hydratants. Vous savez que ce sont mes favoris. Mais je vais plutôt faire ça ce soir avant le coucher. Du coup, voilà, la peau, elle absorbe directement le produit parce que justement, elle est déshydratée. Ensuite, je vais appliquer mon sérum Yalu B5 de chez La Roche qui va aussi hydrater ma peau en profondeur. Voilà. Et comme vous le savez, le matin, soit j'utilise mon sérum hydratation à l'acide hyaluronique ou mon sérum à la vitamine C. Comme je vous ai dit, là, à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, le soleil est déjà
partie, c'est bientôt le coucher du soleil. Ici, le coucher du soleil est super tôt. C'est super désagréable parce que tu as envie de profiter longtemps dans la journée, même le soir, d'aller dîner, voir le coucher du soleil et tout ça. C'est impossible parce que le coucher du soleil se couche à 18h30, 18h45. C'est super tôt. Et ensuite, je vais appliquer mon essence à la bave d'escargot de ma routine coréenne. Du coup, j'ai demandé à ma famille si c'était toujours comme ça à l'année et ils m'ont dit oui. Hein. Vu qu'on se trouve dans un autre hémisphère, bah, le soleil se couche super tôt toute l'année. Alors qu'en Suisse ou en Europe, typiquement l'été, le soleil peut se coucher jusqu'à 22h, 21h30. Du coup, ça je trouve super dommage ici, mais bon, c'est pas comme si on pouvait changer. Et puis finalement, je vais appliquer ma crème CeraVe que vous connaissez, c'est la meilleure. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Là, pour voyager, j'ai pris justement le petit format à 236 ml que je vous avais dit qui est bidon parce qu'il se finit en 2-2. Et j'ai le grand format à la maison. Et en ce moment, les deux crèmes solaires que j'ai pris ici, c'est ma petite crème solaire de chez Zoé et celle de chez Rituals SPF 50. Et c'est le dernier produit que j'applique, mais là je vais pas l'appliquer encore une fois parce qu'il n'y a plus de soleil. Et c'est tout pour ma routine du visage. J'ai rien besoin de plus, juste hydrater ma peau en profondeur et appliquer ma crème solaire. Il n'y a rien besoin de faire plus, tu transpires de toute façon toute la journée, tu dégoulines, bien hydrater mes lèvres et le soir j'applique mon masque hydratant. Et c'est tout, j'ai pris plein de produits, mes sérums acide glycolique, acide azéalique, etc. Mais ça c'est vraiment mes produits de base que j'utilise. Et de toute façon, quand je rentre à la maison, je vais reprendre mes routines que vous connaissez à la lettre et bien nettoyer, exfolier ma peau en profondeur et la hydrater pour cet hiver après ces vacances et ces semaines où j'ai rien fait sur mon visage. Bon, je m'en sors pas mal, hein. Comme vous le savez, ma peau n'est pas très difficile, mais c'est vrai que j'ai connu mieux au niveau de ma peau. Donc voilà les gus pour ma petite routine ici en République Dominicaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite. Bye.